Donnez-moi un bon amen. And you know, somebody was, I don't know what you wanted me to say. Quelqu'un me pose quelque chose, je ne pas, il me dit quelque chose, je ne sais pas ce qu'il veut que je dise. Can I tell you something? I said, go ahead and tell me. Il que, monsieur, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Je dis, vas-y. He said, I was there. They were arguing whether you are going to marry or not. Il que j'étais là, il argumentait si tu vas te marier ou pas, remarier ou pas. I looked at him and said, why do you come to tell me that? Je l'ai regardé et je dis, mais pourquoi tu es venu me dire ça? Okay, tell me your opinion. What should I do? Dis-moi ton opinion, ce que je dois faire. Then he was shocked. Il était vraiment frappé. Am I going to live my life on what you think, what you feel? Or am I going to live my life on the basis of the word of God? Dois-je vivre ma vie sur la base de ton opinion, de tes sentiments, ou bien sur la base de la parole de Dieu? It's the word of God I will follow. Et je dois suivre la parole de Dieu. And whatever he says, that I will do. Et je dois faire ce que la parole de Dieu dit. If God tells me to marry, what do you think I'll do? Si Dieu me dit de prendre une femme, qu'est-ce que je dois faire? Praise the Lord. Gloire à Dieu. And by the way, if God tells me to do it, I'll do it and then I will invite you. En fait, si Dieu me dit de le faire, je vais me marier et je vais vous inviter à mon mariage. Et je vais vous inviter. Amen. Amen. And if God tells me not to, of course, everybody knows me. I'm too busy for, you know, many of these things. Si Dieu me dit de ne pas le faire, bien sûr, je ne vais pas le faire. Plusieurs d'entre vous me connaissent pour ces choses-là. Je suis très appelé pour ces choses-là. You don't want to smile. I have to learn how to smile. Même si c'est pour sourire, je dois apprendre comment sourire. And even to, you know, sit down and relax, I have to learn how to sit down. I don't have time for any of these things. Si de me reposer, m'asseoir, me reposer, je dois apprendre à m'asseoir, me reposer. Moi, je n'ai pas le temps pour de telles choses, quoi. But, so if God said not to, of course, that will be a joy, a pleasure to just serve the Lord without any hindrance or encumbrance. Même si Dieu me dit non, faut pas te remarier, oui, ce sera un plaisir, une joie pour moi de m'asseoir et servir le Seigneur sans aucun empêchement. But if he says yes, go ahead, of course, I'm going to do whatever he says. Mais si Dieu oui, vas-y, je vais faire ce que le Seigneur me dit de faire. Sometimes I do some things to even test people. Parfois, je fais des choses pour pouvoir tester les gens. Our children will tell you that during this conference that we had, say 2009, was that a great meeting? Nos enfants vont vous dire lors de notre panorama que nous avons tenu, et vraiment, c'était une grande conférence, n'est-ce pas? Praise the Lord. Gloire à Dieu. Did you see me there? Est-ce que vous m'avez vu là-bas? Did I wear tie every time? Est-ce que je porte la cravate à tout moment? Did my lack of wearing tie reduce the revival? Le fait de ne pas porter la cravate, est-ce que cela réduit le réveil? Let me hear your hand clap. Que je vous entende donner un banc au Seigneur. Praise the Lord. Gloire à Dieu. You know, there are times I do some things deliberately. I just remove the tie. Other times I put on the tie. Je fais des choses parfois délibérément. Je porte la cravate, parfois je l'enlève pour voir. And I was looking at what the people will say because of that. Et je vais voir ce que les gens vont dire à cause de cela. God doesn't mind whether I wear tie or I don't wear tie. He will still heal the sick. Dieu ne s'inquiète pas pour le fait que je porte la cravate ou pas. Dieu va toujours guérir les malades. And he will say, deliver the oppressed. Il va toujours délivrer les opprimés. Give me a good amen. Donnez-moi un bon amen. Now, the person that asked me that question, what did I give him about marriage? Celui qui m'a posé la question au sujet du mariage, comment je lui ai donné la réponse? Pay attention now. Prêtez votre attention that day, maintenant. The papers brought something out. Le jour-là, le journal a fait sortir quelque chose. And the newspaper wrote about a couple, a man and a woman. Et dans le journal, on a écrit au sujet d'un homme et d'une femme. They had a child. They loved that child very dearly. And that child was about 5 years of age. Ils avaient un enfant très chéri, âgé de 5 ans. And had a challenge. And that challenge was a terrible sickness.
that child died. Et là-bas, l'enfant a une maladie terrible qui l'a finalement tué. The father and the mother, that couple, they failed in their understanding that they love that child very much that they cannot live on earth again because that child had died. Les parents de l'enfant, croyant qu'ils ont tant aimé l'enfant qu'ils ne pouvaient pas vivre sans leur enfant. What they did, they went to the top of a cliff. It's a true story, and it came out that day. Ils étaient sortis. C'est une vraie histoire. Ils sont allés au sommet d'une montagne. Then they jumped down and they died. And then they wrote and they said, because our child is gone, we want to go and meet our child where he is. De là, ils ont sauté, tombé, ils sont morts. Et ils ont écrit que oui, parce que leur enfant est mort. Ils sont morts. Ils veulent aller raconter leur enfant là où il se trouve. I told the brother, I said, you know, brother, those people are ignorant. Their ignorance killed them. J'ai dit au frère que, voyez, ces gens-là, ils sont ignorants. Et c'est l'ignorance qui les a tués. That child, because a little child, when a little child dies like that, he goes to heaven. L'enfant là est un petit enfant. Et comme lui, il est mort comme ça, il est allé directement au ciel. This father and mother, that thought that they love the child very much, and because of that they committed suicide. I said, my brother, tell me, where are they going? Ces parents qui croyaient aimer leur enfant très chèrement et ont commis le suicide, où vont-ils? Ils sont allés en enfer. They're going to hell. Ils sont allés en enfer. Because they thought they were killing themselves because of a child they loved. Et ils sont allés en enfer parce qu'ils se sont tués pour leur enfant qu'ils aiment. Then I said, come on here. You are thinking, because I love Sister Kumoyi very well. Bien Kumoyi. Je dis que toi, écoute ici. Toi, tu penses que parce que j'aime vraiment maman Sœur Kumoyi. Et maintenant, elle est allée because au ciel. Because I love her very much. Even if God tells me to marry, I will not marry. Parce que je l'aime chèrement. Quand je me dis de marier, je vais dire non, and je ne vais pas me marier. If I'm committing sin privately, I will go to hell because I love her very much. I said, look at me, I'm not going to go to hell because of anybody. Et si je suis en train de commettre le péché secrètement, j'irai en enfer parce que je dis que je l'aime. Non, je n'irai pas en enfer parce que j'aime quelqu'un. And if you don't understand, you'll be pretending as if this is what you will do. Si on ne comprend pas, on va commencer à prétendre que oui, voici ce qu'on doit faire. And then somebody will be, instead of staying on the Bible. Et au lieu de rester sur la Bible, on va commencer à argumenter. It's marrying, it's not marrying, it's reading paper, not reading paper. En tout cas, il se marie, il va se marier, il va lire papier ou bien des choses. It's going to Cannes, it's going to PFN. Okay. Il va ici, il va à l'autre église. Oh, that is irrelevant. Ces choses n'importent pas. We're going to do the will of God. Nous allons faire la volonté de Dieu. And as I teach you the word of God, I follow that word of God, and I'm going to stay by that word of God. Comme je vous enseigne la parole de Dieu, moi aussi je vais rester au niveau de cette parole de Dieu. Je and vais I don't obéir. Want this church making me a slave of your tradition. Je ne veux pas que l'église fasse de moi un esclave de vos traditions. God says this is what you do, then you're afraid and say, what will they say? What will they say? What will they say? Whatever they will say, the will of God is what we are going to do. Dieu dit, voici ce qu'il faut faire, et on a peur que, oui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Nous devons faire la volonté de Dieu. You know what we are going to do? I'm going to allow this question and answer to go to all the churches so that they know that where we stand is where we stand. Oui, je vais permettre que cette réponse aux questions doit parvenir à toutes les églises afin qu'on sache que voici là où nous we're standing on the word of God. Nous nous tenons sur la parole de Dieu. And this church is standing on the Bible. We're not standing on the traditions of men. Cette église se tient sur la parole de Dieu et non sur les traditions des hommes. Give me a good amen. Donnez-moi un bon amen. Rise up and let us pray.